Tu peux même la mettre dans son petit orifice là, ce petit trou là, tu vois, elle n'est pas là impunément ce petit trou là. S'il vous plaît messieurs dames, la séance va commencer. La séance commence. Je m'appelle Philippe de Couffet, je ne suis pas un phénomène, je suis un garçon. Mais tout le monde, enfin les gens que ça intéresse le savent, je suis arrivé à la danse par plaisir, juste parce que j'aimais ça, parce que j'allais dans les boîtes de nuit et que j'aimais danser. Et j'avais envie de faire quelque chose avec mon corps, de faire du spectacle. Et il se trouve qu'au moment où j'ai commencé, il y avait justement la danse contemporaine qui commençait à naître en France. Il y avait Bagouet qui était un bon exemple. Et ça m'a donné envie de suivre cette voie. Avant ça, j'ai tâtonné, mais depuis, je continue à tâtonner. Donc en fait, c'est une espèce de concours de circonstances. Je me suis retrouvé danseur comme ça, j'ai essayé ça. J'ai vaguement étudié le cirque, le mime, l'expression corporelle. Et puis quelques techniques de danse, et puis après j'ai commencé à danser parce que c'était le bon moment, parce que justement ça commençait, c'était vraiment les années 80, tout ça commençait à naître. Il y avait très peu de danseurs qui avaient envie de prendre des risques, de s'amuser, de faire des choses rapides et bizarres. Et j'ai senti qu'il y avait une autoroute, et moi j'ai foncé sur cette autoroute, et puis voilà.